Ici le plus mortiste pour Passion Gaming Québec. Aujourd'hui, pour ce live, nous allons continuer la ville que nous avions commencé tout dernièrement, c'est-à-dire Idolas. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais en merveille. Twitch City, qui est juste en dessous, c'est un test que j'ai voulu faire. Qui fonctionne plus ou moins. Il va falloir que je reprenne ça. Mais pour le moment, on continue la partie qu'on a commencé il y a deux jours, mercredi, dans le dernier live. Et aujourd'hui, les copains, on va essayer de développer un peu plus, changer de place la zone industrie pour pouvoir développer plus de maisons de ce côté-ci. De l'autre côté, ça va être industrie et aussi commercial. Donc, nous revoilà les copains. On se souvient qu'ici on voulait mettre nos industries. Ici on va mettre aussi d'autres maisons. Et ici on va essayer de faire disparaître ça de l'autre côté quand on pourra. Mais pour le moment, on va essayer de rendre notre clientèle, nos gens un peu plus de bonne humeur. On va aller chercher un parc pour les amuser dans le fond, pour qu'ils soient mieux. On va aller chercher un grand terrain de jeu qui, lui, on devrait le placer juste ici, ce qui occasionne beaucoup de plaisir pour tout le monde. Vous voyez ça changer tranquillement, pas vite. Et plus ils sont de bonne humeur, plus ils vous donnent, ils sont enclins à payer des taxes. Le rappelle. Donc, maintenant, aujourd'hui, on avait à des nouveaux bâtiments d'entretien de parc. Ah oui, ok. Mais ça, non, pas tout de suite. Regardez, là, on a un beau petit parc avec des jeux. Ça va attirer les gens. On entend de temps en temps des cling-cling. Ça, c'est des maisons qui update, comme qu'on pourrait dire. On a une personne qui est en train de faire un mauvais coup. Est-ce qu'on a... Non, on n'en a pas. Faudra donc essayer d'en placer un bientôt. Ça devrait être bon ici. Peut-être ici, je sais pas trop. On verra ça.
si on commence à manquer de courant, tout ça est en temps réel, hein? Préfère vous le dire, tout ça ici est en temps réel. Sont à l'autre bout. Les usines, donc, à 12 000, on peut pas vraiment mettre un truc. Oh, ici, on a du feu. Malheureusement, on n'a rien encore. Ah, mais on va réussir à en avoir un. Et voilà. Ça devrait être bon de même. Allez, vas-y, il faut sortir les camions. Je l'ai peut-être mal placé parce qu'il n'y a aucun camion qui peut décoller. Ah oui, ils sont là. Faut qu'ils partent par là-bas pour revenir par là, ce qui est pas une super bonne idée. Là, bien sûr, ils refont le tour pour partir dans le bon sens. J'aurais peut-être dû les mettre là, en face, ici, là. Probablement, ce que je vais faire aussi, il y a beaucoup de possibilités de feu, comme ici, il y en avait 3 ou 4, donc c'est un petit peu normal. Qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça ici, on va le changer d'endroit pour le mettre là, mais de ce côté-ci. Et ça me dit qu'il n'y a pas assez de place. Donc, je le mets. Oh, okay. Ça prendrait 4000 de 4000, 2400. Donc, on va attendre un petit peu. Pour le moment, ça devrait suffire. Voilà, tout le monde est parti. Tout le monde va être dispatché vers les feux qui deviennent de plus en plus présents. On va les regarder faire, voir comment ça fonctionne. J'espère que le premier camion s'en va pas directement au premier feu. Non, d'accord, c'est bon ça. Il s'en va vers le dernier. C'est bon. Et ils vont revenir probablement pour aller vers l'autre ensuite. Malheureusement, les camions comme ça, ils partent pas s'ils sont bloqués, donc ils vont trouver d'autres endroits. Nous, on voulait avoir va prendre un prêt parce que c'est quand même important, là. Donc, on va prendre un prêt de 20 000 et on va placer deuxième usine. On va placer juste ici comme ça, tiens. Ce qui devrait faire disparaître nos ennuis au niveau du courant. On a pour un tout petit bout. Ici, ça a été traversé. Voilà. Et tous les feux sont éteints. Là, c'est sûr que ce qui va arriver, c'est que les bâtisses sont dégueux. Mais on va pouvoir les détruire si on veut pour pouvoir les rebâtir. Les faire se rebâtir.
Donc, où ils vont se rebâtir tout seuls, je suis pas sûr. On va attendre un petit peu. Juste pour être sûr, on va attendre un petit peu et eux retournent lentement mais sûrement directement à leur caserne. Voilà. Le pire a été évité. C'est cool. Ici, il y a un problème de poubelle. On devrait réussir à envoyer. Ah, là-bas aussi. On devrait réussir à envoyer des camions. Régler le problème. Très, très, très prochainement. On va vérifier que tout fonctionne correctement. Il y a seulement deux camions poubelles de partie présentement. C'est déjà pas mal. 2400 par semaine. 24 000 cadences de traitement de déchets par semaine. Réserve de déchets de 200 000. On est encore. Ben, on n'est pas si loin que ça, MacBank. Hein, si on regarde ça, on n'est pas si loin que ça. Il va falloir peut-être en rajouter un pour être sûr que tout fonctionne bien. Je crois que c'est ce qu'on va faire quand on va avoir l'argent pour. Entre-temps, on va se faire une petite route juste ici qui se rend jusque-là, histoire de rajouter des maisons. Parce qu'on sait que les maisons, c'est quand même important. On va tout remplir comme ça. Là et boum, là comme ça. Ça devrait suffire parce que ici on ne tient pas nécessairement à avoir des maisons. Ici peut-être, mais pas là. Quoique ici, je vais probablement mettre des arbres ou quelque chose dans ce genre-là parce qu'on sait que des maisons avec les commerces, c'est pas une bonne idée. Séparé par une route, oui, sans problème. Mais autrement, c'est pas la meilleure idée qui soit. Ça continue à se remplir. Maintenant, je vais pouvoir changer de place ce truc. Ça coûte de l'argent, donc. Oh. Non, 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 toi. Donc, il faut toujours faire attention où on le place au départ. Hein? Ça devrait être bon. Comme ça, toutes les camions de pompiers vont partir par là et ou par là pour aller faire ce qu'ils ont à faire en bout de ligne. On a toujours un problème de bout de. On pourrait peut-être commencer à faire le lien entre les deux. Bon, ça coûterait 21 000, je crois. Si mon souvenir est bon. Voilà. Tranquillement, mais sûrement, on se débarrasse des surplus.
des surplus de vidange. On va dire ça comme ça. C'est plus lent, mais c'est mieux fait, je dirais. Donc, ici, comment on pourrait organiser les choses pour que ça aille mieux? J'ai comme l'impression qu'on va mettre une route. Route à sens unique ici comme ça. Je vais aller jusque-là pour ensuite revenir comme ça en ligne droite. Ça va déjà faire un gros changement. Ensuite, ici, devrait peut-être en faire une dans ce sens-là pour que ça ferme ici. Dans ce sens-là, je ne sais pas trop. Dites-le-moi si vous avez des suggestions. Ensuite, ceux du fond, on ne les changera pas parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire ça. Celle-là, elle devrait s'en aller dans ce sens-là, ça c'est évident. À moins que on la change en double. Ce qu'on voulait faire au départ, je crois bien. Ça va se remplir, inquiétez-vous pas. Ici, on peut pas à cause de notre nouveau chef de la sécurité, je dirais. Voilà, on enlève ça. Et bien, qui finit bien. D'accord. Là, vu qu'on a enlevé un petit peu, va falloir en rajouter. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter celui-là ici. Et celui-là ici, comme ça, devrait être bon. Ou peut-être qu'on va le laisser là, ce district-là. On a un feu qui est juste là. Comme prévu, il y en a un qui part et qui s'en va dans le bon sens. Répondre à l'appel. Voilà. Devrait pas trop interférer. Eux vont devoir virer de côté. Parce que là, ben, il est pris là. Carrément. Le temps que le feu disparaisse. Donc, on a une relativement bonne couverture. On a toujours des problèmes de poubelle de ce côté-ci. Donc, on va essayer de tranquillement, pas vite. On va essayer. On touche pas à la population. On essaie tout simplement de faire partir ça.
Comment on peut faire partir ça en rajoutant une poubelle? Qui est ici, 16 000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre crédit. Et oui, je sais, ça fait beaucoup. Non, c'est pas comme ça. C'est ici. Et cette fois-ci, on va les mettre. On va en mettre deux. Un là. Un là. Ça devrait suffire amplement pour faire toutes les autres trucs. Et voilà, nous avons atteint l'agglomération d'affaires, la politique de planification de la ville, a aussi des bâtiments uniques de niveau 4, du tourisme et des bâtiments de loisirs uniques, des circuits de bus pour touristes, des trolleybus. On a aussi la spécialisation dans l'industrie pétrolière. On a la spécialisation du tourisme. Dans les nouvelles politiques, on a le transport public gratuit, propriété aux hélicoptères, les foires du livre, filtrage des eaux à base d'algues, interdiction de trafic chargé. Ça, on va s'en servir sur notre côté de. Notre côté, où est-ce qu'il y a nos habitants? Je vais vous montrer ça comment faire. Reconstruction rapide, intramuros. Pas de ça chez moi, c'est-à-dire pas de son la nuit. Renforcement du vélo, pas de reconstruction. Donc, on va mettre tri des déchets industriels aussi. Bonus de connexion. Union des ouvriers, on a des nouvelles routes. On commence à avoir des autoroutes, ce qui est super intéressant. Parce que notre grande route, on va la transformer en autoroute à la place. Beaucoup plus simple. On a une centrale au fioul, un jardin tropical, des quartiers généraux de la police. On a maintenant des hôpitaux, des gares routières, des locations de scooters des maires pour faire en sorte que nos usagers se plaisent, des expéditions de pêche, une marina. Le dépôt de la voirie, ça aussi, ça va être intéressant parce que c'est eux qui vont regarder l'état des routes, puis qui vont faire en sorte que les routes aillent plus vite, mieux, qui circulent mieux. Les skateparks, les écuries, le dépôt d'hélicoptères des pompiers et de la police, le service de pompage, la balise d'alerte de tsunami. Ça, on s'en servira pas. Pourquoi? Parce que on n'en a pas vraiment besoin. Puisqu'on joue pour avec les désastres naturels. On prendra pas non plus le radar météorologique. Pas ce genre de truc. On a des entrepôts, des bus touristiques. Les centrales géothermiques. On a pas mal de choses à faire. Restaurant routier, restaurant routier oriental. Ouais, il y a même des trucs que je me souvenais pas d'avoir vu. Et voilà. Donc, on regarde tout ça. À l'instant, ici, vu que maintenant on a
L'argent pour, on va aller dans les autoroutes. On va prendre une autoroute tout à fait ordinaire. On va changer ça. Oups. Ça, c'était une autoroute à sens unique. C'est pas tout à fait ce que l'on cherche. On veut une autoroute à double sens. Être beaucoup plus intelligent comme ça. Parce qu'on veut que les gens arrivent, mais on veut aussi que les gens repartent vers j'aurais pu faire en sorte qu'il y ait deux sorties, deux rentrées, mais je me dis une seule à double sens, c'est déjà pas mal bien. Et voilà, on fait ça comme ça. Comme ça va pouvoir aller là et aller là. Ça va être super important. Ensuite, on va commencer notre truc dans les industries. On va se faire une industrie agricole juste ici. On va tout simplement placer ça là. Ensuite, on va placer quelques champs comme ça. On va maintenant placer aussi quelques fruits. Je sais, ça donne exactement toute la même chose, mais à l'œil, ça fait plus joli. Et quelques. Ah, pas assez, plus assez d'argent. Ah, eh bien. Donc, ce que ça fait, c'est que ça ici, on va aller ramasser des denrées pour les amener directement à nos usines de transformation qui, eux, vont les envoyer dans les différents commerces. En gros, là, c'est ce que ça veut dire. Ici, on va commencer à mettre des routes pour changer les commerces de place. Mais pas les commerces, mais les usines de transformation. Même que les usines de transformation, ce qui va arriver, c'est. Regardez-moi bien faire 2 petites secondes. Ça, on s'en vient en poser une juste là. On descend. Oups, voilà. On était trop haut. Juste comme ça. D'accord. On va prendre du zonage industriel ici comme ça. Et comme ça. Et elle, on va lui demander. Est-ce qu'on a fait quelque chose par-dessus? Je ne crois pas. Donc, il va falloir en créer un par-dessus. Comme ça. On va prendre tout ce qui est ici. Là,
Je vois tranquillement parce que je suis à la manette. C'est pas super facile. Ça. Ensuite, on va redescendre ici de même. Ok. Comme ça. Et ici, on va remplir le reste. Et ici, on va y mettre une spécialisation de industrie. Voilà. Il semblerait qu'on en avait déjà un. C'est peut-être moi qui s'est mêlé un petit peu, mais c'est pas trop grave. Ah non, non, c'était pas ce que je croyais. Le surplus, c'est le surplus de l'autre quartier. Voilà. Donc, on a ça ici. Qui va nous aider à vendre notre stock qu'il y a là, ici à la place, à produire. Puis ici, on va commencer lentement mais sûrement à enlever des trucs au fur et à mesure. Ah, là, tout est beau. Est-ce qu'on a autre chose avec 2 000 $? Je pense pas qu'on ait grand-chose d'autre à faire. On va donc repartir tout ça et on va voir comment ça se développe là-bas et comment ça se débrouille côté poubelle. Je vais tout simplement regarder. Les poubelles, voilà, le statut des traitements des déchets est quand même bien. Il est dans le vert, au moins. On produit 55 408 unités de déchets et on traite 72 000. OK. On va aller voir les politiques. Les politiques ont fait du recyclage. Ensuite, le recyclage du plastique. C'est à peu près ça. Et le restant, c'est pour le stade qu'on n'a pas encore. Donc, ça reste comme ça. Voilà. Donc, on a notre flopée de camions ben à ordures qui est parti faire son boulot. Tranquillement, mais sûrement. On va commencer à faire des transformations, c'est-à-dire changer les routes de gravier en vraie de vraie route. Ça va déjà être une bonne idée. Ici, on a une autoroute qui est mal desservie, tant qu'à moins. Il va falloir changer cette façon de faire là, celle-là ici aussi. Donc, ce que l'on va faire ici, on va
couper ça ici de même. On va tout simplement remettre une route, mais beaucoup plus courte. Donc jusqu'ici, on va faire ça comme ça. Ensuite, on va aller dans les autoroutes, dans les bretelles. Et on va faire une entrée d'autoroute comme ça. Et elle, ben, elle va pouvoir aller dans les deux sens. C'est ce qui est quand même intéressant, sans couper les autres. Et celle-là, ben, il va falloir en faire une autre dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Ça ici, ça fera pas. Ça réduira pas le champ des autres. Voilà. Attendez-moi 2 petites secondes. On a peut-être fait une bourde. Oui, c'est ça. Celle-là sort, celle-là rentre. Non, ok, c'est bon. C'est bon, tout est beau. Voilà. Si on va remplir un peu avec ça, faire ça aussi comme ça devrait être bon. Et celle-ci comme ça aussi, ça devrait être bon. On s'arrange toujours pour pas qu'il y ait d'entrée ou de sortie directement sur sur l'autoroute. Même si c'est une autoroute à double sens, oui, on veut que ça sorte. Mais on veut pas nécessairement que ça rentre. OK, ici c'est bon. Ici, ben, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, donc ça change à pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, j'aurais dû y penser avant. D'accord, on va prendre ça ici. On va connecter. Ah, on n'a pas assez d'argent. Encore. Oh, on perd de l'argent. Ça, c'est jamais ben ben bon. Ça va finir par passer, mais ces changements-là, c'est quelque chose d'assez chiant, je dirais. Ça comme ça. Est-ce qu'on a. C'est pas ça qu'on veut, c'est ça ici. Est-ce qu'on a la possibilité. Non, on n'a pas la possibilité. Mais d'accord. On va perdre un petit peu d'argent. Ben, beaucoup d'argent entre-temps, le temps que ça se place.
va peut-être faire, c'est débrancher ces deux-là pour faire un bypass aussi. Ça devrait aider. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, le problème de poubelle est passé. Est-ce qu'on a... Il va falloir faire un truc au-dessus pour que ceux-là puissent aller rejoindre ça. Que ceux-là puissent. Ouais. Donc, on va faire. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Ça, je sais pas. Pas assez d'argent pour le moment. Donc, ça va attendre d'avoir un surplus. Entre-temps, on pourrait peut-être faire une route comme ça. Qui va nous permettre de faire un autre quadrillage ici. La joie de perdre de l'argent pour faire ces trucs, c'est pas super. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on peut demander à ceux-là? De se brancher, mais j'espère qu'ils se brancheront pas sur la sortie d'autoroute. Je ne croirais pas qu'ils le fassent. Ce serait peut-être un petit peu mon avis, mais on sait jamais. Ici, il y a un énorme truc qui commence. Donc, ce qui va arriver, c'est que va falloir faire un bypass. Attendez 2 petites secondes, ce qui va arriver, est-ce qu'on est capable de faire ça? De là vers là. Ah non, okay. Une ligne droite. Là, vers ça va prendre ça va prendre une autoroute à double sens de là vers ici le milieu comme ça et une route à sens unique qui va partir de là vers là. Ok. Ah.
On s'est créé un problème, les copains. Ouais, on s'est créé un problème. Va falloir régler. Peu veut pas. Donc, comment on va faire pour régler le problème? On va poser. Avec 200 quelques pièces, je pense pas qu'on va. Ben, on va attendre. Hein, on sait qu'on a un problème ici. Ce qui va arriver, c'est que on va enlever ces deux-là. On va les rajouter. On va enlever ce bout-là. Et on va faire une espèce de bypass par-dessus. Et on va faire une sortie de chaque côté vers, vers notre destination. Ouais, je pense que c'est ce qui va être le plus intelligent. Entre-temps, est-ce qu'on est capable de mettre l'eau sur... J'ai un doute. C'est ce que je pensais. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va... 1500. Oh. Et... Ben, faut attendre les copains. C'est simple. Faut simplement attendre que ça se passe. Donc, on va augmenter la vitesse. Ça se passe quand même relativement bien. Et ceux-là ici, ouais, c'est vrai qu'ils en ont, ils ont besoin de ce coin-là pour passer. Il va falloir que je le défasse pour refaire le rond-point, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a absolument rien ici? Donc il faudrait peut-être juste upgrader la route par une route moyenne peut-être. On peut pas. Là, on pourrait. Hein? Ça va passer un petit peu plus vite. Puis, on va aller enlever les lumières. Là. Quand même pas avoir des problèmes. Et voilà. Commence à remonter tranquillement. On est un petit peu mal pris dans ce coin-là. Et quand on va pouvoir faire sortir des gens d'ici,
Ça va être encore mieux. Ici, bon, ben, il y a des usines qui ont décidé de laisser tomber parce que il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. C'est normal. Ça va finir par se tasser. Ça aussi. Simplement prendre le temps de faire l'argent qu'il faut pour ramener l'eau. Malheureusement, ça prend comme 3 000 $ juste pour se rendre de l'autre côté, donc pas super, super évident. Oh, ici, on commence à avoir un petit coup de mort. Donc, pour les petits coups de mort, qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut avoir des cimetières qui, eux, nous coûtent 8 000. Donc, on va en installer un, je sais pas trop où, probablement en bout de route, juste à côté de la clinique, probablement. Ça devrait être pas si mal. Le service postal aussi qu'on pourrait installer. Salut Daniel. Donc quand on commence à s'épivarder un peu n'importe comment, ben c'est ce que ça donne. C'est que là, on se retrouve avec des problèmes de trafic, on se retrouve avec des bouchons, on se retrouve avec plein des trucs. Puis ça, ben faut prendre le temps de les régler. C'est chiant, je l'avoue. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, ici, on a 3 000 $ et ça continue de monter lentement. Mais vraiment lentement. Oui, on sait qu'il y a un cimetière qui est requis. Pour pas créer d'autres trafics, on essaie de faire en sorte que nos trucs soient pas sur les grandes avenues. Daniel, si t'as envie de nommer une rue, gêne-toi pas. Ça va me faire plaisir d'arrêter le massacre 2 minutes et de te faire la joie de choisir l'avenue, la rue que tu veux. Que si je fais ça comme ça, peut-être que. Ouais, notre problème a été de raccorder les deux bouts. Fait que là, on s'est créé énormément de trafic. Entre-temps. Et en plus, on
on se retrouve à être jammé à cause d'un. Ce qu'on va faire, là, on va défaire tout ça, comme ça, comme ça. Ici, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre autoroute à deux voies. Notre autoroute à double sens. Ouais, un seul sens. Non, l'autoroute tout court. Faire une belle ligne droite. On va la mettre ici comme ça. Ah non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, je peux raccorder juste un côté. Je peux pas faire ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que là, change cette autoroute-là en double sens. On va chercher notre route à sens unique en ligne droite. Comme ça. Et on la raccorde ici, comme ça. Celle-ci, on va essayer de la raccorder. Comme ça et comme ça, voilà. Et cette route-ci, qu'on va faire, c'est qu'au lieu de la faire travailler comme ça, ici comme ça, on va prendre la route en double, en ligne droite. On avance un petit peu, on soulève, comme ça. Inverse, comme ça. On continue, on descend. Et on ramène ça ici. Là, on va enlever cette partie-là. Pour raccorder les deux de même. Ici, on va le laisser en dead-end pour le moment. À moins qu'on réussisse à le faire traverser, mais c'est pas garanti. Et on va rajouter. Au lieu de faire un rajout d'une route, parce que là, tout le monde va sortir par la fin, par là. Ah, ben oui. Oui, on va laisser ça comme ça. Ça devrait être bon. Comme ça. Ça devrait être bon parce que tous ceux qui vont vouloir passer vont passer comme ça. Comme ça, malgré qu'il va falloir aussi en faire dans ce sens-là, ici, pour aller rejoindre ceux-là. Donc, OK. On va prendre une passerelle d'autoroute. Oups. Comme ça. Elle. Voilà. Sortir comme ça. Comme ça. Et elle va s'en venir quelque part ici. On va voir les soupaules. Hein? Elle va s'en venir quelque part ici. Et pour l'entrée, on va en prendre.
prendre une ici. Puis, on va la raccorder ici comme ça. Donc, de là, comme ça, on va la raccorder là-bas. C'est à peu près ce qui va arriver. Voilà. Pour le moment, c'est sûr que là, tout le monde passe un peu bizarrement, n'importe comment, mais on a réussi à régler notre problème de notre trouble de sortie. On va simplement aller enlever le feu qu'il y a là. On n'en a pas vraiment besoin. On va juste mettre probablement un stop ici. Pour aider. Et après ça, on organisera nos, nos sorties. Donc, voilà de même. Toi, tu t'en viens jusque-là et comme ça. Et tu me fais le plaisir de me faire une belle route jusqu'ici. Que tu me feras pas. Parce que ça coûte 1300 pièces. C'est le temps roulé. Ça devrait changer le courant de place. Quand ils vont se rendre compte que par ici ça sort, on devrait avoir de moins en moins de gens qui vont prendre cette sortie-là comme étant la meilleure, à moins d'avoir des entreprises ici. Là. Retourner vérifier. Tout le monde est correct. On a un petit backup. Encore. Donc, probablement que je devrais enlever ces sorties-là pour laisser ceux de ce côté-ci. Donc, celle-là et celle-là. Voilà. Le drop va se faire. Et les... Ici, il y a une... chose à enlever, on va juste mettre un stop là, mettre un stop ici, et ça devrait suffire. Toi, qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu me racontes qu'il n'y a pas assez de clients.
Bon, ben, il va en avoir là, des clients. En principe, il va en avoir des clients. Ici, vous avez remarqué que ceux qui avaient là, ils ont reconstruit. Et que les maisons, ici, où est-ce qu'il y avait du feu tantôt, ils sont partis. Donc, c'est au moins ça. Là, ça nous prend de l'eau en urgence. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour se rendre de l'autre côté maintenant? Oui. Comme ça devrait être bon. OK. Au moins, ils partiront pas à cause de l'eau. Et ça va prendre 3 900. Ça va prendre un petit bout. Le courant. On va leur donner du courant, mais on va leur donner, je pense, du courant comme ça. Ça va coûter 6 000, mais ça va être du courant vert. Dès que j'ai une chance. On deal encore avec nos morts. Ici, on a une entreprise qui est disparue, donc on va tout simplement l'enlever pour laisser la place à d'autres. Quoique, comme on veut que ça disparaisse, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoner cette partie-ci. Comme ça. Paiement restant 4 000 et j'ai pas 4 000. Bon. Toi aussi, on va t'effacer. C'était pas beau. Voilà. Est-ce que des fils électriques, ça suffirait pour se rendre ici? Ça prendrait quand même 3 000. Tout de même, 3 800. On va avoir quand même relativement vite. On efface ce qui est pas beau dans le voisinage et on laisse la place.
Pour d'autres. Ok, maintenant. Oh, il y a un feu. Comment le feu va s'organiser? Il va simplement passer par là. C'est super. Pense qu'on pouvait pas les placer la meilleure. On pouvait pas les placer mieux que ça. Lui, il essaie de passer par l'autre côté, ce qui est un peu bizarre. Quoique, il va. Ah non, ok, il y en a un qui passe sur un sur le boulevard et l'autre passe sur l'autre sur la petite rue derrière. C'est quand même très, 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 très bien. Et lui va ressortir là et lui va juste avoir à virer de bord quelque part. Pour régler le problème. Ici, on va faire disparaître les bâtiments. Pas bon. Pour laisser la place à d'autres. C'est sûr qu'on perd un petit peu de monde, c'est normal. Tant que t'as pas atteint le 5-10 000, et tu joues un peu avec la vie des gens, je dirais. Bon. Pourquoi ça prend 10 000, ça prend 8 000, que 5 000? Est-ce que je suis capable de le payer? Oui. Et en recontracter un autre. Et maintenant, je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. C'est-à-dire trouver un endroit pas trop dommageable pour veux, veux pas, on prend beaucoup de monde. C'est chiant. Mais bon, d'accord. Fait que, on va prendre ceux-là. Et nos amis les corbillards vont sortir pour aller collecter tous les morts de notre si merveilleuse ville. Ici, une petite maison à effacer. Et avec 12 000, ben, on est capable de faire notre connexion. Comme ça. Et avec ça, ben, oh, boum. Allez mettre ça là. Et aller mettre ça. Et avec le 3 000 qui reste, on va aller mettre de l'eau. C'est-à-dire d'ici à là. Ce ne sera pas très long pour y arriver.
On perd des gens, c'est normal encore une fois. On va finir par y arriver, ça je vous le promets. Voilà. Là, les champs vont s'irriguer. Lentement mais sûrement, la police va se pointer à un moment donné ou un autre pour régler le problème des usagers. Voilà. Ici, on va enlever les bâtiments désuets, comme ça. Ça va se remplir à un moment donné. Je pense qu'on a pas mal réglé les problèmes. En gros, l'usine qu'il y a ici, on va tout simplement la dézoner comme ça et on va aller en zoner une autre juste ici. Ça vers là, tout simplement, et on va raisonner ça ici, comme ça. Est-ce qu'on zone sur leur bord ici? Je sais pas, parce que on a une sortie, mais une sortie qui est un peu bizarre. Va falloir qu'on fasse un truc tout simple. On va enlever celle-là. On va reprendre la route comme ça. Et là, on va l'élever. Puis on va se servir des connexions pour dire bon ben toi tu t'en viens là, toi tu t'en vas là. On va en sortir une de la sortie vers la route et de la route vers la sortie d'autoroute pour que ils repartent dans l'autre sens. Et ça va en prendre une aussi dans l'autre, de l'autre côté pour faire en sorte que ceux de l'autoroute sortent vers la route et entrent de ce côté-ci pour aller derrière. C'est pas énormément difficile, c'est juste, je dirais, chiant à opérer. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien et lui tourne en rond. Donc, on aurait pu. Ben, on va préparer sa sortie. Déjà, genre ici comme ça, à 45.
Et voilà. D'ici, on va pouvoir en faire une autre vers ce point-là. Et ensuite de ça, on va pouvoir tout simplement agrémenter. Donc de là, par là, ça coûte ça. Donc 245 comme ça. Et ensuite, on va s'en venir de même. Essayer de faire de l'argent un petit peu plus vite. En général, vous prenez votre temps. Vous attendez. Le plus possible. Pour faire ce que vous avez à faire. Les poubelles vont venir de ce côté-ci aussi, à un moment donné, comme rien. C'est vrai que les usines, ici, j'aurais pu les mettre de l'autre côté. J'aurais pu. Même que j'aurais dû. Mais pour le moment, à grandeur qu'on a, je pense qu'on a en masse de quoi faire. Pour tout faire ça. Donc, on prend une ligne droite. On soulève, on passe ça par-dessus, ça devrait suffire. Ah, j'ai pas assez d'argent. Voilà. Et on va continuer un peu plus pour le ramener vers vers le sol. C'est sûr que là, on manque de personnes, on a moins de jobs. Voilà. Hein? Retourne sur nos travées d'autoroute. Et on essaie. Et en masse comme ça. Oups. Donc, il va falloir l'effacer parce que c'était pas ce qu'on voulait. On voulait mon forme. Et 44, ça va suffire de même. Et comme ça. Et en ligne droite,
De là vers là. Voilà. Ensuite, de là, on s'en va comme ça. Ici. Et comme ça. C'est un peu bizarre comme échangeur, mais c'est comme ça que règle le problème. Ici, est-ce que on a un problème de... Non, on n'aura aucun problème avec ça. Ce que je vais faire, c'est probablement prendre ces deux morceaux-là et les transformer en autoroute. Et là, parfois, il y a des gens qui sortent pour mieux rentrer, qui est un peu bizarre, tant qu'à moi. Ils font la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on a assez de courant? A assez de courant, mais pas pour... Je dirais que le vent n'est pas suffisant. Bon, eux autres, ça fait la job pour le moment. Eux autres, ils manquent d'ouvriers. Non. Ça ici, c'est suffisant. Pas assez d'employés. Malheureusement, bon, il faut quand même faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire pas simplement faire une route ici. Savez-vous quoi? La faire comme ça. Ça. Et relier ces deux-là ensemble. On va prendre une petite route. Ça suffisait. Comme ça.
comme ça. L'autre, on va sortir comme ça. Et que sinon, on ait une route parte de même. Tout en courbe. Vers ici. Pas très long. En 2280 $, donc prendre le temps de les voir arriver. Voilà, comme ça. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est zoner ce qu'on a ici. Comme ça. Amener de l'eau qu'on a déjà. Cool. Amener du courant d'abord. Ouais, de là. Simplement ici, ça devrait suffire. Avoir zoné un petit peu plus pour être sûr. Voilà, comme ça, voilà, c'est réglé. Ça devrait suffire pour un.
Tout à fait. Il va falloir faire une petite concession. Juste une toute mini. Juste là. Voilà. Et le courant revient partout. On reprend du poil de la bête. Ça va super bien. Ici, ça commence à très bien aller aussi. On a du trafic en cinglé, mais sur l'autoroute. C'est pas si tant pire que ça. Je vais peut-être faire une autoroute différemment prochainement. Ça va dépendre un peu de comment ça se développe. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est du changement de vitesse de route. Donc, comment on fait ça? On va upgrader les routes. Pour que ce soit plus... ça bouge un peu plus vite. Ah, celle-là, ça fonctionne pas à cause du déjà occupé. Mais ça, il y a une façon de faire. Je vous montrerai ça prochainement. Là, est-ce qu'on a coupé le courant? Non, on n'a pas coupé le courant. Là, on va faire là ici. Voilà. Ce qu'on peut faire pour régler le problème d'ici, là, vu que toutes les maisons semblent, ils sont face aux gens. Okay. Donc, ce qu'on peut faire, j'allais dire on va les transformer, mais on ne pourra pas les transformer. Ensuite. L'argent remonté. Celle-là ici, on peut. Celle-là ici aussi. Bon, oui, ça fait des dégâts dans certains. Sur certaines parties. Mais ça finit toujours par régler. Ça finit toujours par se régler. Il y a des choses nouvelles qui vont s'installer. Voilà, comme ça. Ce petit bout, ça, ça, ce petit bout. Et là, on se rend compte qu'il y a des parties qu'on n'a pas zonées. On peut les zoner par la suite. Et on les zonera pas trop proches non plus, parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Fait qu'on va, on regarde les trous qu'on laisse. Est-ce que c'est faisable d'avoir des maisons sur ces coins-là? Parfois oui, d'autres fois non. Hein? Comme ça. Sinon, tout est beau, tout est presque bien fait.
Parfait, comme ça, on va pouvoir upgrader. Si on ne le fera pas parce qu'on veut pas. On veut pas bloquer la route si on a d'affaires à traverser de l'autre côté, de ce côté-ci. Voilà. On a une grande filée, mais passe relativement simplement. Je sais pas pourquoi il stoppe. Il y en a plusieurs qui stoppent, mais bon. Si on essayait. Autoroute, changer la route comme ça, changer la route comme ça devrait-tu régler le problème d'après vous? Ouh, je sais pas, hein? On va peut-être mettre un truc ici, je sais pas trop. Peut-être changer plus vite que prévu l'autoroute. Est-ce qu'on est capable de la changer sur une partie ici? Oui. Et celle-là aussi. C'est parfait. Bon, on a malheureusement scrappé une partie de ici, on pourra pas. C'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Ah non, je peux pas faire ça, moi. Je fais ça, je me mets dans la merde. Ah non, 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 non. Ah, zut. J'avais complètement oublié ça, moi. Je peux pas faire ça. Si je fais ça, je me mets dans la bullshit. Retour à l'autoroute à double sens. Comme ça. Désolé, là je perds de l'argent pour pas grand-chose. J'ai pas le choix, mais le reste est correct. Au moins le reste est correct. Tout ce qu'il faut que je fasse dans le fond, c'est m'arranger pour faire une autre route à côté. Il va venir chercher celle-là. Puis là, ben, on a défait notre passerelle, mais c'est pas trop grave puisque la passerelle
Elle peut passer par ici aussi. Donc, ben on va défaire ça. Défaire ça. Et ici, on va rezoner un petit peu commercial. Ici. Comme ça. Et des maisons ici, ici et ici. Avec peut-être une petite maison juste là. Voilà. Ça devrait être bon. Maintenant, toi et toi, vous êtes plus bon, toi non plus, et toi non plus, on va vous dézoner tout de suite. Tiens, toi aussi, puisque de toute façon, tu vas disparaître. On se dézone ça. On dézone ça aussi. Ah. De toute façon, à un moment donné. Donc, on est en train de dézoner tranquillement toute la partie ici. Puis, on va la remplacer par une partie ici. Il y a encore des gens qui se sont poussés. Faire encore un petit peu d'argent. Et c'est pas trop grave parce que on va ça comme ça, puis ça devrait se reconstruire assez. Là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers, il y a trop de zones. Job, il n'y a pas assez d'ouvriers pour faire les jobs. Donc, ce qu'il faut, c'est dézoner pour permettre aux autres endroits d'être relocalisés, si on veut. Vers des endroits plus propices. Sur le coup, on perd de l'argent, on perd des ouvriers, mais à long terme, ça va valoir la peine.
Ça va finir par être raisonnable. Et tout notre trafic ouvrier va s'en venir ici. À la longue, ça va aller de mieux en mieux. Tout le reste, c'est du zonage. Ce qu'il y a de plus simple. Les maisons. Même si les maisons sont espacées, on s'en fout parce qu'on va pouvoir remplir avec des arbres. Ça, c'est toujours intéressant. Ici, on a des commerces qu'on va pouvoir peut les rezoner. Ici, là, une zone de commerce, on va zoner là. Oh, on va zoner ici. Jusqu'à ce que notre équipe, si on veut, puisse avoir moins besoin de commerce. On zone les commerces tant et aussi longtemps on a une grosse demande. Oh, ici, on manque d'eau. Voilà. Plus de problème d'eau. Si on avait un tout petit feu, tout petit. On va réduire la vitesse de ça quand même. On veut savoir où est-ce qu'on en est de ce côté-ci. On a besoin d'énormément de monde, mais pas énormément. Yeah.
a besoin d'énormément de monde, mais pas énormément. Je vais finir par le dire. De commerce. On n'a pas besoin de commerce, on n'a pas besoin d'autres trucs du genre. Tout ce qu'on a besoin, c'est de quelques maisons. Okay. Ici. Boom, de même. Ici. Ce qui est le fun en utilisant des autoroutes, c'est que il n'y a aucune maison qui va aller se connecter dessus. Pardon. Qui va aller se connecter directement dessus. Donc, elle va se connecter sur la rue à côté. C'est pour ça que je voulais absolument voir une autoroute qui passait ici. Et comme vous avez vu, on a enlevé le rond-point. Pourquoi? Parce que ça donnait plus grand-chose, ça ralentissait beaucoup plus qu'autre chose. Fait qu'à la place, on a dit à la clientèle, bon ben regardez, vous pouvez aller là. Sinon, le centre névralgique des entreprises est rendu là. Donc, allez-y. Ici, on a un certain dégât, mais ça, c'est normal. Parce que on n'a pas la route qu'il faut. Pour faire deux routes séparées. Chiant, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est surélever l'autoroute ici, la faire passer ici, la surélever pour la ramener jusque-là. Peut-être ce qu'on va faire, je ne sais pas encore, ça va dépendre de comment les choses se présentent. Je comprends pas pourquoi que c'est long comme ça, passer ce petit raccoin-là. Je dirais que ça passe au compte-gouttes. Probablement parce que la vitesse, c'est pas la même d'un à l'autre. Et on va se retrouver avec un gros problème là à un moment donné. Donc, il va falloir regarder ça prochainement. Si, est-ce que je suis capable de juste un bout d'autoroute, de la changer comme ça. Non, parce que je vais devoir en avoir deux, une chaque bord. On va essayer de préparer la chose. Comme ça.
falloir relocaliser ces gens-là. Changer le parcours ici. Probablement. On s'en occupe pas parce que bon, il y a encore en masse de place. C'est déjà 21 h, le copain. Commencé, il était 19 h. Il nous reste donc 1 heure ensemble. Est-ce que j'ai. Oui, je l'ai fait ça. Est-ce que ça va rentrer encore? En partie. Ici, ben, il n'y aura jamais de... Donc, pas besoin. C'est toujours jamais net. La sortie autrement. Au cinglé. Je vais essayer quelque chose. Je prends un bretelle d'autoroute. J'enlève de là pour la refaire et de là.
Elle devrait peut-être elle même si je prends ça et que ça pour le raccorder là. Lui va continuer à rouler. Puis lui va juste se tasser vers. Prêt pas pire ça. Ici, ça devrait être à deux voix, leur retour à trois voix, leur retour. Si on fait un petit peu de mathématiques de ligne. Non, non, non. Peu de mathématiques de ligne comme ça, comme ça, comme ça. On retourne à 3. Voilà, ça devrait être bon, ça. Un peu bizarre, mais ça va passer. Voilà les copains, on a réglé notre problème. En attendant. Régler une partie de notre problème en attendant, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ça reste plus jamais comme ça l'était. À la place, ça vient jamais, ça. Pourquoi? La jam là. Au lieu de. Ah, ok. Oui, je viens de comprendre. Eux, pour arriver, pour rentrer, sont obligés de faire ça. Ok. Ouais, je viens de comprendre. Donc, si je fais juste de là vers là, ça devrait régler le problème. Eux vont avoir envie de passer par là. Et eux vont passer par là. Faire ça. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu fucké, mais bon. A besoin encore de maison.
Et ensuite, ben, on va laisser un petit peu de temps pour faire en sorte que ça roule. On va peut-être placer une digue ici. Ça fasse plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ça peut être une très 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 bonne idée. Ce qui est le fun, c'est que dans ces trous-là, on peut placer des beaux petits trucs comme montrer ça comme ça ici. Ça l'enlève des maisons, mais c'est quand même pas grave parce que ben, on peut marcher dans la rue, dans la ruelle derrière chez toi. Ça va se remplumer. Ça sera pas super long. Ici, on manque de matériel. Mais ce qu'on va faire ici, on devrait peut-être les placer là, oui. On va faire ici, on va placer des petits. Tantôt, on va placer des petits silos à grains pour pouvoir remplir ce qu'on a ici. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque? Pas assez de ressources naturelles. Pas assez de ressources naturelles. Est-ce que c'est simplement parce que vous êtes pas dans un endroit fertile ou... Ah oui, d'accord. OK. Pas dans un endroit fertile, faudrait que je les emmène ici. Oui, ok, j'ai compris. Toi, on te change de place, tu t'en viens ici. Toi, change de place, ici. Toi, te change de place, tu t'en viens ici. Là, ça va produire. Ici, on va mettre les silos. Voilà. Ça, c'est que on était dans des endroits genre entrepôt.
les usines de transformation. Se développe lentement, mais sûrement. Ici, on peut commencer à faire des changements de route encore. Ah. Ça va aider. On va s'assurer de ne pas avoir mis de lumière sans raison. Ah. Rendu où est-ce qu'on en est rendu, on serait supposé d'avoir une couple de centaines de milles, mais c'est parce que on n'a pas attendu comme on aurait dû. Sincèrement, c'est juste à cause de ça. Pas vraiment attendu comme on aurait dû, donc c'est ce que ça donne. Si ça pack plus, mais là, oui. Va peut-être falloir que je sacrifie la route ici, qui est peut-être un peu proche, pour l'autoroute à deux voies qui s'en vient. Quoique. Moi, deux petites secondes. Quoique, on est capable à partir de là de la changer comme ça, mais là, on va juste la virer de bord. Voilà. Pour aller encore mieux, encore un petit peu plus vite, vers la sortie de la ville. Ceux qui ont d'affaires à aller vers la droite, ils vont pouvoir le faire. Et ceux qui vont continuer tout droit, ben, ils vont avoir juste à s'en aller dans la voie du milieu. C'est tout. Bon, ici, ça fait un peu désordre des virées de bord. Mais ça, bon. Hey! You can't hear me!
Why? Why can't you hear me? And if I do this, can you hear me now? Very quietly. Oh, it's because I don't have a micro. My micro is very far. Okay, I have just openly up that thing. Did you hear the sound of the game? Just want to know it. Because me, I can hear it, but I'm not sure you can hear. Okay. And the music of the game? Not the game. Okay. We will have to work on it, I think. If you want to help me. It's not like we have to hear something about them, but water. We try to make a city that work with the limit of what we need. We have a big bunch of traffic there. Because of that little road, I will have to change it as soon as possible. Oh, we will look at it another time. When you are okay, just leave me a message and we will check on that if you want to. I don't think we can fix this in 15 minutes. So, I don't know if it's my gear that doesn't have the sound. I don't know if it's my setting. Not sure at all. So it's the second time I can play with it. So I think it seems the image seems smoother with all that. I think that's what I've need to upgrade a bit my stuff. Okay. So I will have to work on my sound. Maybe I will have to take another micro
on a Thai micro or something like that to work with it. I don't know though why my sound